je vous amène dans une recyclerie. C'est à côté de la déchetterie, voilà, donc c'est un immense hangar où ils vendent des tas de choses, c'est une vraie véritable caverne d'Ali Baba, hein. Bah oui, je suis encore au volant de ma bagnole. Je vais descendre et je vais aller voir si je trouve des petites affaires à faire, et si j'en trouve, je vais vous les montrer. Et c'est ouvert, cette recyclerie est ouverte tous les mercredis et samedis. Voilà, donc je vous mettrai l'adresse pour les gens de la région que ça intéresserait. Je vous marquerai l'adresse en bas, voilà, si je l'ai. Voilà. Et puis, je vais vous montrer l'intérieur, hein. Donc je ne vais pas parler, voilà, parce que vous verrez ça en musique, hein, parce que j'aime pas parler seul, hein, les gens ils me prennent pour une barjot. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dedans, et comme ça vous verrez. Et puis éventuellement, si je trouve mon bonheur, ben, je vais vous montrer, une fois que je serai arrivé chez moi, je vais vous montrer éventuellement ce que j'aurai trouvé. Love is bleeding for you. Love is taking away. What a way. What a way, baby, to my way. What a way. Yeah. What a way.
seul dans la nuit. Je vois ton visage seul à aimer. Je devine l'orage. J'aime
cette recyclerie. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos pour ceux que ça intéresserait qui habitent effectivement dans l'Allier. Je vais vous le donner, c'est 12 chemin de la Perche, c'est à QC. Hein, donc je vous mettrai le numéro de téléphone et les heures d'ouverture, je vous les ai mises en photo, donc vous avez pu les voir. Et je vais vous montrer, oh, franchement, je n'ai pas acheté grand-chose, hein, parce que j'ai des idées assez précises sur ce que je veux. Donc je vais quand même vous montrer, on va commencer. Alors j'ai acheté un bouquin, Mourir n'est pas mourir, mémoire de vies antérieures. Vous connaissez ma passion pour le paranormal. Et là, c'est une histoire donc vraie, hein, qui est arrivée à quelqu'un. Thomas, voilà, etc., perd sa femme et le premier enfant qu'elle attendait. Et donc là, c'est un document bouleversant et absolument véridique, parce que j'ai horreur des romans, je n'aime pas lire. Moi, j'aime bien ce qui est vrai. Et cette dimension oubliée, la mort que nous croyons n'existe pas. Perdant son mystère, elle peut ne plus inspirer la terreur. Voilà. Donc, bien évidemment, je le lirai et je vous dirai ce que j'en pense. Et ce bouquin, je vais vous dire combien je l'ai payé. 50 centimes. Sinon, il y en avait 3 pour 1 euro, un truc comme ça. Bon, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé d'autres, donc j'ai acheté ce bouquin. Ensuite, alors j'ai fait un petit achat que je trouve super. Voilà, c'est en fait une armoire à clé. Alors, je vous la montre de près. Voilà. Je l'ai payé, le prix est dessus, 50 centimes. Oui, 50 centimes. Donc, je vous la montre parce que je la trouve vraiment très, 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 très jolie. Hein. Elle est lazurée blanc, voilà. Donc, regardez, elle a sa petite fleur en guise de poignet. Donc, derrière, pour l'accrocher, bien évidemment. Et je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, hein. Alors, vous vous doutez bien, rien du tout. Je n'ai absolument pas acheté pour mettre mes clés, parce que mes clés sont dans un tiroir, mais tout simplement pour mettre des bracelets, des petits bijoux, voilà. Hein. Donc, je pense que je vais même la mettre au mur, je ne sais pas encore où, dans la salle de bain, très certainement, enfin, je verrai. Donc, écoutez, 50 centimes, elle est nickel, hein. Elle est vraiment super, elle n'est pas abîmée du tout. Donc, j'ai trouvé ça. Ensuite, bien évidemment, il ne l'a pas vu, il va pas tarder à le voir. J'ai acheté, pour Ernie, une petite peluche. Donc là, c'est du plastique, je vais le couper. Je la laverai avant de lui donner parce qu'elle est quand même un peu sale. Et donc, j'achète toujours sans les yeux en verre, hein, parce que sinon, il pourrait s'étouffer avec. Donc, il a la petite peluche, 50 centimes, voilà. Ensuite, j'ai acheté un mug. Je le trouvais sympa, les couleurs étaient sympas et j'aime bien la taille. Donc je vais le mettre au lave-vaisselle. En fait, ça a coûté 50 centimes. Hein. Et j'ai également acheté deux supports pour mettre des plantes dehors. Voilà. Donc là, ils sont de la couleur de ma rambarde de terrasse. Voilà, donc comme ça, je vais mettre peut-être des... Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre, en fin de compte. Peut-être des géraniums hier, j'aime bien. Voilà, donc j'en ai acheté deux. Et ils sont à 1 euro l'un. Et du coup, la fille m'a fait cadeau de l'autre. J'ai acheté des petits photophores que je trouve super. Ils ont ce petit côté oriental que j'adore. Hein. C'est pour mettre dans mon salon, puisque ce sont les couleurs de mon salon. Et donc j'en ai trois, je ne voudrais pas que je les casse, alors là par contre ils sont nickel, hein. Alors là vraiment, donc j'en ai acheté trois, et ça m'a coûté les trois 1,50€, franchement il n'y a rien à dire, l'intérieur argenté, quand on voit des fois le prix d'un seul photophore, là je suis très contente de mes acquisitions. Voilà, donc écoutez, bien, c'est pas un gros haul, hein, mais parce que j'en ai un qui va arriver prochainement sur ma chaîne, mais j'attends vraiment de tout recevoir, hein, pour pouvoir le faire, parce que j'ai commandé pas mal de choses un peu partout, et j'attends de tout réunir pour pouvoir vous faire un haul décent, mais je voulais pas mélanger ce haul-là avec le reste, hein, ou vlog, hein, parce que c'est un haul vlog, hein. Voilà, et le tout m'est revenu à 4,50€. Alors franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, écoutez, donc je suis très contente de mes achats. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, en barre d'infos. Bon, je suis désolée,
j'ai pas fait grand chose. Je vous ai filmé déjà cet immense hangar, mais c'est gigantesque, hein. Et donc, eh bien, comme je le disais précédemment, voilà, ils reçoivent très très régulièrement, tout le temps, hein, ils ont tout le temps de la marchandise. Voilà, écoutez, sur ce, je vous mets tout en barre d'infos. Je vous envoie des tonnes de bisous, je vous aime très fort. N'hésitez pas, à ceux qui me regardent, à vous abonner à ma chaîne, de bien aller aussi également sur Google+, de façon à ce que je puisse répondre, parce que si vous n'êtes pas amis avec moi sur Google+, je ne peux pas forcément vous répondre, hein, c'est pas que je ne veux pas, donc allez bien également sur Google+, vous me trouverez. Je vous dis au revoir, je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Voilà, c'est...